Lyon 9e accueille Rennes 6e. Des Lyonnais qui sortent d'une terrible désillusion. Ils ont perdu quelques jours auparavant 1-0 sur le terrain de Nantes en demi-finale de la Coupe de France. Ça semblait être leur dernier objectif, mais les Lyonnais peuvent encore revenir en championnat. Ça passe par un succès contre un concurrent direct. Lyon qui reste tout de même sur une victoire à 1-0 au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Pourquoi pas confirmer malgré la déception en Coupe de France. Rennes est la meilleure équipe dans les premières minutes. La première opportunité pour les Bretons, c'est sauvé de justesse par la défense lyonnaise. Rennes a pris le match par le bon bout et insiste. Les Bretons n'ont remporté qu'une seule de leurs 4 dernières rencontres. Certes, un 2-0 au Parc des Princes contre le PSG, ce que Lyon a fait la semaine d'avant. Mais il faut confirmer ce genre de résultat. Barcola ne réussit pas à dégager la balle. Guiri s'en empare. Petit pont, la frappe superbe. 1-0 pour le Stade Rennais. Superbe réalisation d'Amine Guiri. Le petit pont sur Diomandé fait mal. Il s'ouvre le chemin du but et inscrit son 10e but de la saison. Guiri ne célèbre pas tout à fait son but, lui qui a été formé à l'Olympique Lyonnais. Rennes mène à l'extérieur, 1-0 à la mi-temps. Un excellent résultat pour le Stade Rennais, mais c'est à confirmer en seconde période et le visage lyonnais est bien meilleur. À l'heure de jeu, Cacré tire ce corner en retrait. Tolisso place sa balle pour une égalisation très importante. Elle était attendue et Tolisso l'offre à son équipe. C'est son premier but de la saison et son premier but en Ligue 1 Uber Eats depuis la saison 2016-2017. Un partout à une demi-heure de la fin. Bruno Genesio, ancien entraîneur de Lyon, voit que son équipe recule. Les Lyonnais ont repris confiance. Ce ballon est repoussé directement sur le penant. Alexandre Lacazette hérite du ballon au deuxième poteau pour renverser complètement le score. 2-1 sur une reprise manquée de Lepenant. Ça se transforme en passe. Lacazette n'est pas en jeu. Il marque son 18e but de la saison. Le capitaine permet à Lyon de mener 2-1. Rennes fait tout pour égaliser, mais se découvre. Le ballon de contre. Et ça part sur le côté pour Ryan Cherki. Cherki fixe les défenseurs rennais. Avant de donner en retrait à Bradley Barcola. Ça fait 3-1 à la 79e minute. Lyon a totalement renversé la rencontre. 5e but de la saison pour Barcola. Les Lyonnais sont efficaces en seconde période et retrouvent un petit peu d'ambition en Ligue 1 Uber Eats. Ils se battent jusqu'au bout pour empêcher un but rennais. Ça passe à côté pour Benjamin Bourigeaud. Pas de but supplémentaire dans ce match. Victoire de Lyon, 3-1 contre Rennes.